The common les modalités de gouvernance, Salut, je m'appelle Simon Paquin, fondateur d'Écomaris. Ma job dans la vie, c'est de donner de la liberté. Le fleuve, d'abord, c'est comme un... C'est surtout un terrain de jeu où il y a beaucoup de liberté, beaucoup de choses à faire. C'est long, c'est grand, c'est vaste, super beau, sauvage. C'est comme un autre pays, en fait. C'est un terrain de jeu dans le sens où ça brasse. C'est quand même rock and roll le fleuve. Là. Il y a du vent contraire, contre-marée. Des fois, c'est un cheval sauvage un peu à apprivoiser, qui n'est pas donné à tout le monde, mais c'est ça qui le rend intéressant aussi. Le projet n'était pas touristique, mais le tourisme répond d'une certaine façon à notre besoin d'en faire la promotion, de rejoindre du monde. On peut faire du tourisme intelligent. Puis tourisme, ça veut pas dire amener des millions de personnes puis d'exproprier des phoques pour construire une jetée en béton. C'est pas ça que ça veut dire. Fait que c'est du tourisme où il y a une plus-value, dans notre cas, qui est environnementale, où les gens apprennent, ils visitent, oui, ils découvrent Baie-Comeau, ils découvrent cette île, ils découvrent Matane, Rimouski. Mais en plus, ils apprennent des choses. Donc, ils apprennent à naviguer, ils apprennent sur l'environnement, ils apprennent sur eux-mêmes, ils apprennent à travailler en équipe. Fait que, on le casse comme du tourisme d'apprentissage aussi. Une partie du rêve, c'était les jeunes. Là, ils arrivent avec leur attitude, leur sac. Puis là, ils se rendent compte qu'ils connaissent rien pantoute. Ils savent pas le nom d'une corde. Ils savent pas, ils comprennent pas pourquoi que ça bouge. Ils ont quasiment le mal de mer. On est taqués, tu sais. Puis tout de suite, ils t'écoutent. Ils te regardent différemment parce que tu es une autorité nouvelle qui leur présente quelque chose, un monde auquel ils n'ont aucune idée. Tu sais, Fait qu'imagine quand tu es en mer. Les jeunes, ils sentent que tu es là pour les aider, pour leur apprendre des choses. Tu sais. Fait qu'ils l'apprécient puis ils te respectent pour ça, parce que tu es traité d'égal à égal, puis sur un bateau, l'égalité est là. Pour ça, je me suis rendu compte en naviguant au fil des ans avec différentes personnes que des adultes aussi pouvaient bénéficier grandement d'un apprentissage sur un bateau. C'est que c'est vraiment un laboratoire humain pour développer des forces humaines. Et c'est un moyen de découverte du fleuve Saint-Laurent. C'est un plan d'eau qui fait partie de notre histoire. C'est de là qu'on vient. Pour moi, il y a comme un attachement au territoire. Dans les années 30, 40, 50, il y avait de la construction de goélettes sur le fleuve. Il n'y en a plus. Tu sais, les chantiers sont fermés. Puis il n'y a plus d'accès au fleuve. Les gens ont tourné le dos au fleuve. Et on voudrait justement faire la promotion de tout ce qui englobe le fleuve, de tout ce qui entoure le fleuve, pour que les gens se le réapproprient. En psychoéducation, on dit que c'est le lien d'attachement qui va créer une relation significative avec ton thérapeute ou ta personne aidante. Bien, de la même façon, le fleuve, pour le protéger, il faut l'aimer, puis pour l'aimer, il faut le connaître. Puis pour le connaître, bien, il faut naviguer. Les modalités de gouvernance, les ressources, les plus personnes possibles.